le syndrome du bébé secoué en question. En débat, il y a beaucoup à dire, à apprendre, à connaître autour du syndrome du bébé secoué. Et on est là ensemble pour en parler. Bonjour à toutes et à tous. Merci au lycée Jean Rostand et son BTS audiovisuel de nous accueillir aujourd'hui pour ce débat, en partenariat aussi avec l'association Les mots pour le dire. Des voix discordantes autour du syndrome du bébé secoué qui ne fait pas forcément l'unanimité aujourd'hui en France. Alors on va vous proposer un regard croisé avec des médecins, bien évidemment des spécialistes, mais aussi l'aspect juridique. Un juge, un avocat avec nous pour en parler. D'abord, je vais me permettre de présenter la présidente de l'association les mots pour le dire, l'avocate maître Danielle Gobert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'origine de ce combat et de cette association. D'où vient votre mobilisation? C'est très simple, c'est que je suis blouse rose dans le service du professeur Vinchon, qui est mon vice-président. Et j'ai vu une fois une petite fille qui, à chaque fois que je m'approchais d'elle, ça se passait très bien. Et à chaque fois que je m'éloignais, elle pleurait. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et une infirmière me dit, mais c'est le syndrome du bébé secoué. Et là, je dis, quoi? Le syndrome du bébé secoué? Je ne savais absolument pas ce que c'était. Et j'ai comment décidé... vous pouvez nous le définir aujourd'hui, nous présenter ce syndrome? Le syndrome du bébé secoué, c'est quand des adultes excédés par les pleurs d'un nourrisson vont le prendre et vont le secouer comme un prunier. C'est vraiment comme un prunier. Et là, malheureusement, il va y avoir des séquelles irréversibles. C'est le geste qui est répréhensible? Oui, le geste et puis le fait de secouer de façon pour faire taire ses pleurs, malheureusement. Les adultes sont concernés, les parents, les assistantes maternelles? Ils sont concernés, mais pas assez. D'où l'objet de mon association, c'est de faire de la formation à des professionnels pour leur dire qu'effectivement, que secouer un bébé, c'est un acte très grave. Je le disais donc, on a un débat aujourd'hui des voix discordantes. Et pour en parler, le professeur Mathieu Vinchon, qui est également avec nous. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Professeur Vinchon, chef du service neurochirurgie pédiatrique au CHU de Lille. Si l'on parle de connaissances médicales, qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui de manière scientifique autour du syndrome du bébé secoué? Alors le bébé secoué, historiquement, ça remonte à 1972, quand un Américain du nom de Caffey a décrit ces lésions qui étaient dues au secouement et qui associaient une hémorragie intracrânienne, donc un hématome, qui est dû à un arrachement des veines du cerveau, qui associait un œdème du cerveau, une encéphalopathie, avec des enfants souvent dans un état grave, et des hémorragies au niveau de la rétine. Et on sait, on a très vite compris qu'il s'agissait des conséquences d'un secouement, donc d'un enfant qui est violemment secoué, c'est une maltraitance grave. C'est une cause très importante de mortalité et de handicap chez des enfants qui étaient auparavant strictement normaux. Parce que pour l'enfant, maître Gobert, évoquer le fait de secouer l'enfant comme un prunier, si on prend en proportion, on peut imaginer être secoué, nous, en tant qu'adultes, par une immense bête. Par un ours de 500 kilos, vous imaginez qu'une bête d'une force immense va vous secouer et vous imaginez les conséquences que ça peut avoir. Madame Gobert utilisait les mots de secouer comme un prunier. Ce sont les mots qui sont utilisés par les secoueurs d'enfants quand ils avouent leur maltraitance. C'est des mots qu'on ne leur met pas dans la bouche. C'est quelque chose qui... Ce sont des aveux qui ne sont pas spontanés, bien sûr, mais qui sont sincères. Et c'est tout à fait corroboré avec les données des modèles animaux qu'on a. Et également les données des modèles informatiques qui reconstituent le transfert d'énergie qui est nécessaire pour donner ces lésions. Il y a donc un consensus scientifique aujourd'hui, où on le disait quand même en introduction, des voix discordantes? Alors, en science, il n'y a pas de certitude, il y a des probabilités. On sait maintenant, on a un corpus scientifique qui est suffisant pour être convaincu, on dit au-delà du doute raisonnable, que le syndrome du bébé secoué existe. Que ça résulte d'un mécanisme qui est maintenant bien connu. Maintenant, il y a des différentes opinions. La science, il n'y a pas de vérité absolue. Et il y a différentes opinions sur la façon dont le saignement se produit. Il y a même des gens qui contestent l'existence du syndrome du bébé secoué. Mais malheureusement, mon opinion, enfin, c'est quelque chose qu'en tant que spécialiste, je connais bien, je peux dire, ça n'est pas basé sur une évidence scientifique fiable. Et que dit la Haute Autorité de Santé aujourd'hui? Alors la Haute Autorité de Santé, elle a requis
un groupe de médecins pour établir un consensus médical. Donc il y a une réunion de consensus qui a eu lieu en 2009 et qui a été réactualisée en 2017, où on a défini en quelque sorte ce qu'était l'état actuel de la science concernant le bébé secoué. Donc il y a un consensus de la très grande majorité des professionnels et des scientifiques. Maintenant, le fait qu'il y ait un débat scientifique, c'est normal. Le problème, c'est quand ça devient un prétexte pour nier, pour innocenter des gens qui sont coupables. Bon, ça n'est pas du domaine médical, de dire qui est coupable et qui est innocent. Par contre, le diagnostic médical, il est fait au-delà d'un doute raisonnable. Les conséquences sont graves, hein, vous l'avez dit. Quels sont les moyens techniques dont vous disposez tout de même aujourd'hui quand vous avez affaire à un bébé secoué à l'hôpital ? Alors, c'est d'une gravité variable. Il y a des enfants qui ont l'air d'aller bien, mais qui ont tous les stigmates du bébé secoué. On fait au scanner, au fond d'œil, on fait le diagnostic. Et ceux-là, on sait qu'il ne faut pas. Ils vont aller bien. On a les moyens de les guérir. Ils ne sont pas atteints gravement. Mais ce qu'il faut surtout, c'est ne pas passer à côté du diagnostic, parce que sinon, ils risquent d'être de nouveau maltraités. Ils peuvent en mourir. Et à côté de ça, on a ceux qui arrivent dans un état grave, qui peuvent être dans le coma, qui peuvent être en train de faire des convulsions, d'avoir un état de mal, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de criser, ou avoir une paralysie, avoir un état vraiment extrêmement grave, et qui peut s'aggraver du fait de l'œdème du cerveau et qui risque de mourir. Donc c'est des patients qui relèvent de la réanimation, ils sont amenés par le SAMU, ils sont en réanimation, ils sont intubés, c'est une machine qui les fait respirer, et on fait tout ce qu'on peut pour empêcher de faire des crises d'épilepsie, parce que c'est un mécanisme d'aggravation qui est majeur. Et à l'heure actuelle, avec la réanimation telle qu'on l'amène de façon très agressive, on arrive à sauver la plupart de ces enfants, certains avec des séquelles malheureusement. Merci professeur Vinchon. Vous êtes donc chef de service de neurochirurgie pédiatrique au CHU de Lille. Je vous propose d'ailleurs d'entendre même ces soignants confrontés au syndrome du bébé secoué à l'hôpital, un sujet réalisé par les élèves du lycée Jean Rostand. Alors, le syndrome du bébé secoué, c'est une maltraitance grave. C'est défini par un hématome sous-dural, c'est-à-dire une collection de liquide hémorragique autour du cerveau, des hémorragies rétiniennes et une atteinte du cerveau qui est plus ou moins grave. C'est un enfant qui a été violemment donc secoué. Donc le cerveau, dans la boîte crânienne, a beaucoup bougé, a tapé donc sur la boîte crânienne, ce qui entraîne donc des hématomes sous-duraux. Et c'est une cause de mortalité et de morbidité importante. Du coup, les pleurs seraient perçus comme un facteur déclenchant. Les pleurs incessants du nouveau-né comme un facteur déclencheur d'une émotion, notamment la colère, chez l'adulte, qui amènerait chez certaines personnes un passage à l'acte avec un secouement. Tout parent peut-être, mais vraiment, vraiment, vraiment face à cette problématique, et que tout le monde peut être amené et penser à secouer son enfant. Tout le monde va le faire, mais la seule chose, c'est qu'il ne faut pas passer à l'acte. Et les outils qu'on leur donne, c'est comment ne pas passer à l'acte. Le fait de penser qu'on va pouvoir secouer son enfant, ça ne nous fait pas de nous un mauvais père ou une mauvaise mère. On explique bien aux gens que ça peut toucher n'importe qui, quel que soit notre sexe, notre milieu socio-économique. Ça touche davantage des personnes qui ont peut-être des difficultés à percevoir la colère monter en eux et qui du coup vont passer à l'acte sans sentir cette colère monter. Un bébé normal pleure au maximum vers 18 heures. Et le maximum de pleurs, c'est entre 18 heures et 23 heures. Et le maximum de pleurs, c'est encore entre 2 mois et 3 mois. Chez nous, on a 10% de ces enfants qui vont décéder, malgré tout ce qu'on peut faire en 2021 pour les empêcher de mourir. Et on a à peu près 30% qui vont avoir des séquelles qui sont plus ou moins graves, mais qui sont des séquelles définitives. Donc des séquelles neurologiques avec des paralysies, avec des problèmes de vision, des problèmes pour l'apprentissage de tout ce qu'ils ont encore à apprendre, c'est-à-dire le langage, la vie sociale, des problèmes d'épilepsie qui peuvent être extrêmement graves, avec des épilepsies qui peuvent évoluer et être la cause d'une mortalité tardive dans certains cas. Au niveau des pourcentages, dans 30% des cas, je crois à peu près, ce ne sont pas les parents qui sont secoueurs. Ça peut être une tierce personne aussi qui a gardé l'enfant. Quand c'est un des deux parents, souvent l'autre n'est pas au courant non plus. Donc, enfin, voilà. Et moi, je ne suis pas là pour essayer de savoir qui est passé à l'acte, mais plutôt pour les accompagner, pour qu'ils soient le plus disponibles et le plus serein psychiquement pour accompagner leur bébé qui va souvent
avoir un bloc aussi chirurgical pendant ce temps-là. C'est où je dis, c'est où ils pleurent beaucoup ou au contraire ils sont trop sages. On sent quand même que c'est des enfants qui ont vécu quelque chose. On sent. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un fléau, quoi, qui est une catastrophe créée entièrement de main de l'homme. La question juridique, après le débat médical, la question juridique également en débat avec nos deux invités, Jean-Michel Faure, magistrat honoraire, ancien président en deux cours d'assises, et Nicolas Van den Bosch, avocat pénaliste. D'abord, le magistrat, le juge, votre ressenti en tant que juge quand vous avez affaire à ce genre d'affaires de bébé secoué. Généralement, c'est une série d'affaires toujours très difficiles. Les avocats, d'ailleurs, parlent de dictature de l'émotion, car au moment d'être jugé, que ce soit par des magistrats professionnels ou bien par des jurés d'assises, ça nous ramène tous à notre propre expérience. Nous avons tous eu des enfants qui pleuraient. Nous avons tous su canaliser un peu nos affects. Étant précisé que cette notion de bébé secoué, elle n'existe pas de façon peut-être paradoxale dans le code pénal. Il existe des coups et blessures volontaires avec des circonstances aggravantes. C'est dire qu'il y a une palette répressive qui est très large. C'est entre quelques années d'emprisonnement, voire quelques dizaines d'années de réclusion criminelle. Alors, ceci étant, ce sont des dossiers qui sont traités comme les autres. Les prévenus, même s'ils ont parfois un profil peu sympathique, bénéficient des mêmes droits de la défense que chacun. Ils ont droit, bien sûr, à un procès équitable. Et la difficulté, c'est qu'il y a souvent un seul et unique passage à l'acte qui entraîne des conséquences parfois irréversibles. Il y a aussi tout l'aspect affectif, le papa, la maman qui peut être responsable, l'assistante maternelle, tout ça est à prendre en compte. Tout ça est à prendre en compte, d'autant qu'en matière d'administration de la preuve, c'est très difficile. Par définition, il n'y a pas de témoin, c'est soit le papa, soit la maman, soit parfois l'assistante maternelle. Et ce sont souvent des dossiers qui se terminent par une décision de non-culpabilité, soit dans le cabinet de juge d'instruction par une décision de non-lieu, soit par une décision de relax ou d'acquittement. Car même si on pose le diagnostic, encore faut-il savoir à qui cette infraction est imputable. L'absence de preuves, justement, c'est la clé, en fait, de tout ce débat. La connaissance médicale est claire, on ne remet pas en cause le syndrome du bébé secoué, mais il faut bien trouver un coupable. Parfois, c'est là où est le problème. Alors, c'est là où est le problème, éventuellement, pour un magistrat. Ce n'est pas nécessairement un problème pour un avocat, certainement pas pour un avocat de la défense, dont l'objectif, il est, si possible, évidemment, de faire innocenter son client, sa cliente, bien évidemment. Comme l'a indiqué M. le Président Faure, très souvent, cette difficulté de cette horreur même, il faut le dire, du syndrome du bébé secoué, se joue dans un huis clos familial, se joue derrière les murs de la maison ou de la chambre. Et la question, elle est très très souvent, non pas de savoir ce qui s'est passé, puisque là-dessus, les médecins, les experts sont très très clairs. On sait ce qui s'est passé. Par contre, qui est responsable, le père, la mère, l'assistante familiale, parfois peut-être une tierce personne. Et si le dossier ne donne pas avec certitude la preuve, si on n'a pas éventuellement des aveux circonstanciés et qui sont corroborés par des éléments matériels, eh ben on n'a pas nécessairement un coupable certain. Et l'avocat de la défense, il est là pour le rappeler. Si on n'a pas la certitude de la culpabilité de l'un ou de l'autre, on doit aller vers une décision de non-lieu, de relax, d'acquittement. Demander la relax, ce n'est pas occulter le syndrome du bébé secoué. Mais absolument pas. Absolument pas. Ce genre de dossiers sont évidemment des dossiers particulièrement émouvants, tristes, qui sont poignants pour quiconque, pour l'avocat de la défense, bien évidemment, là aussi. On sait, on voit, on connaît le bébé, on connaît la souffrance, on sait ce que ça veut dire. Il n'empêche qu'il n'est pas envisageable un seul instant qu'une personne innocente soit incarcérée. Et donc, en absence de preuves, en absence de certitudes, bien voilà. Les deux profitent à l'accusé. Merci à tous les deux. Jean-Michel Faure, magistrat honoraire, ancien président de cour d'assises, et maître Nicolas Van den Bosch, avocat pénaliste. On fait donc ici forcément de la prévention, de la sensibilisation, un message d'ailleurs en vidéo. À vous passer.
Penser à secouer son bébé ne fait pas de cet homme un mauvais père. Mais le secouer, c'est une maltraitance grave qui peut occasionner des hémorragies et des lésions cérébrales à différents endroits, pouvant conduire au décès et à un handicap psychomoteur irréversible. Comment éviter d'en arriver là ? Grâce à un programme de prévention prodigué en maternité, le Crying Plan, au cours duquel les parents reçoivent des explications sur le syndrome du bébé secoué, des informations sur le fait que les pleurs du bébé les premiers mois de vie, c'est normal, même si ça dure plusieurs fois par jour, et un travail sur les émotions à l'aide d'un outil qu'on appelle le thermomètre de la colère, puisque c'est le principal facteur déclenchant des secouements, permet aux parents de quitter la maternité avec des solutions qui vont leur permettre d'éviter de passer à l'acte. Et pour conclure, la parole à Maître Danielle Gobert, présidente de l'association Les mots pour le dire, on l'a vu en image, on comprend. Dites-nous s'il y a une parade quand même pour éviter de passer à l'acte. Effectivement, on peut dire qu'il y a des parades pour éviter de passer à l'acte. Effectivement, pour éviter de secouer ce malheureux enfant, vous pouvez très bien appeler quelqu'un, sortir de la pièce, faire quelque chose qui fait que vous allez pouvoir supporter ses pleurs. Et surtout, l'élément important, j'allais dire, un enfant, ça ne se secoue jamais. C'est un enfant, vous devez le chérir, vous devez vous en occuper et ne pas le secouer. Et c'est vrai que la parade, c'est vrai que ce n'est pas évident. Et je comprends que certains parents peuvent être débordés, excédés, agacés, mais on ne secoue pas un enfant. Merci. Maître Gobert, merci pour ce message de prévention et de sensibilisation. Vous êtes, je le rappelle, présidente de l'association Les mots pour le dire, qui lutte contre ce syndrome du bébé secoué. Merci de nous avoir suivis pour ce débat, cette discussion en partenariat avec l'association. Et merci au lycée Jean-Rostand de Roubaix de nous avoir accueillis.